Merci, nous t'en là, mes amis. Bonjour, bonsoir. Semaine ça, son semaine qui chargée avec actualité dans ce qui a passé dans le monde là, ce qui a passé tout dans le pays par nous, Haïti, ce qui a passé dans le pays voisin autour. Et alors, est-ce que nous t'en là? Si nous t'en là, je ne vais pas déraper sans nous pas dire oui. Effectivement, que nous t'en qui a parlé avec nous, qui est la capitale fédérale américaine. Washington DC, maintenant exactement dans le petit côté m'habitué. Donc maintenant nous disons si nous entendez moi. En tout cas, depuis nous disons nous entendez. Camarade ça dit. Il faut être lignette là, mon gars. Est-ce que vous entendez là? Il bon. Bon. Il ok. Ah ben, il bon, il a mis des abeilles. Ok, Devin Jim dit bon là, nous tendez. Ok, d'accord. Nous allons aller là, nous avons bien avec nous. Nous avons un grand programme de mi-actualité d'abord sur le plan international. Nous n'avons pas capable de faire une actualité sur le plan international. Président, leader Corée du Nord, Kim Jong-un, nous traîne la Kaili. Et puis, il y a un sommet en Cuba, il y a un sommet 77. Alors, j'ai 77 pays qui ont participé là-dedans, plus la Chine. Donc là-dedans, le président dominicain, Luis Abinader, font une grosse déclaration sur le conflit verbal que il y a avec Haïti. Et puis, nous avons gagné une rencontre déroulée dans Malte entre États-Unis avec la Chine. Son conflit justement décongelé et tensions qui existaient en deux pays. Et puis les États-Unis participent à un échange prisonniers sous le bénéfice de ce pays Qatar. Donc les États-Unis libèrent 5 prisonniers iraniens qui ont été en prison aux États-Unis. Et en retour, l'Iran libère 5 prisonniers que les États-Unis ont été en la Kaili. Des prisonniers que les États-Unis ont été en prison en Iran de façon injuste. Mais c'est des prisonniers pratiquement d'origine. Des prisonniers américains d'origine iranienne qui étaient fermés, donc ils ont libéré, ils ont déjà arrivé à Qatar, dans Doha Qatar, donc ils ont débarqué dans Qatar, donc ils ont pu mettre la tête aux États-Unis, après ils ont débarqué dans Qatar, donc en échange, alors on a dit que l'Iran, qui Qatar a participé comme arbitrage pour faciliter la libération prisonniers, échange prisonniers entre États-Unis et l'Iran. Mais en échange, en plus de prisonniers qui ont été jeunes tout et déblocage, 6 milliards de dollars que les États-Unis ont gelé, que l'Iran a gagné en Corée du Sud, que les États-Unis ont gelé, les sanctions sévères, sanctions financières sévères contre l'Iran, contre les États-Unis et l'Iran, et bien, les États-Unis ont débloqué l'agence pour l'Iran, qu'il espère avoir accès à l'agence pour faire ça, mais cependant, il y a des conditions. Et que Qatar, qui facilite, qui est facilitateur, il dit que lui-même n'est pas supervisé pour assurer que, effectivement, que l'Iran utilise l'argent dans le domaine, dans le marché avec des médicaments qui ne sont pas en sanction aux États-Unis. Donc, alors, les États-Unis libèrent ces prisonniers par l'eau. Donc, l'Iran a déjà commencé à libérer et commencé à mettre des prisonniers en résidence surveillée. Mais quand il y a un matin, à partir du matin, il y a eu dérapé, il y a quitté l'Iran et il y a allé dans Qatar, ensuite il y a venu aux États-Unis. Alors, les prisonniers iraniens, eux-mêmes qui sont aux États-Unis, il y a deux cas pour retourner dans Qatar, d'après le porte-parole du ministère des Affaires étrangères là, il y a deux cas pour retourner en Iran, il y a deux cas pour retourner aux États-Unis sous demande par eux, et puis il y a un autre qui peut aller dans le pays tiers, qui certainement peut aller dans une famille dans le pays tiers. Donc, c'est ça la situation. En nous entrer dans une nouvelle qui intéresse nous, mes amis. Dossier Haïti a un petit peu boulé, pas grand rien qui a changé depuis la dernière fois que nous avons parlé. Donc pendant tout le week-end, au côté de l'autorité dominicaine, ont renforcé la présence militaire sur la frontière. Ils ont déployé blindés, ils ont envoyé hélicoptères, ils ont envoyé garçons. Donc ils ont une grosse présence militaire sur la frontière, surtout dans la zone d'Arabon et dans la zone côté construction canal là, du côté haïtien qui a fait là, que le dominicain a fait. En tout cas, monsieur a déployé et alors il y a un groupe et une zone franche, il y a
une zone parce que les codes de vie, c'est une industrie qui a fabriqué vêtements, etc., pour exportation en deux pays. Et il était ouvert, mais il semblait qu'un groupe commerçant ou un groupe dominicain qui n'est pas d'accord, il dit non, si bien, si fait un fermé, il faut fermer pour toute activité net, pas qu'une question, il a fermé pour le commerce et puis il a quitté l'ouvrir pour une autre activité, il a demandé pour fermer. Donc il y a des gens protestés, donc il y a un journaliste. Et affilié avec le service et là, qui est CDN, et bien lui-même, il était en train de faire des déclarations, monsieur. Mais lui-même, jusqu'à hier soir, il était en bien sans lui tranquille, pas gagné les chiffres à payer vraiment, mais c'est vraiment, il a pris des chiffres à payer verbal. Il y a un commerçant dominicain qui s'en sort pas habillé pour votre acteur, mais jeudi, à ce jour, marché binational, donc en deux pays, donc matin, média rapporté. Et pas de bien activité avec les commerçants haïtiens, pas de cap, car les frontières sont lâchées parce que les frontières sont fermées. Le président Luis Abinader qui a pris la parole dans l'occasion, il y a une rencontre qui a gagné entre G77 et on sait des pays qui a gagné plus la Chine, et bien il a confirmé par le peuple dominicain que les frontières ne sont pas ouvertes tout autant que l'État haïtien, tout autant que Haïti n'a pas campé sous construction canal, ça qui a fait pour la première fois. Mais c'est des dossiers qui sont en discussion, les Dominicains, ça a remis devant le peuple là, depuis Haïti, ils ont donné un accord avec Haïti en 1929. Cependant, ils ont rapporté tout le dernier accord que Haïti a signé avec les Dominicains en 2021. Les présidents Jovenel Moïse ont commencé à faire canal ça. Tous les Dominicains étaient d'accord, pas d'avoir une violation et que Haïti n'a pas prendre de l'eau pour mettre de la lunette sans Dominicains pas de Donc c'est qu'on fait ça, dépend qui vous parlez, mais aussi Dominicain, au point de vue de médiation, au point de vue de contact avec les médias, ben, le fait Dominicain comprendre un bagage qui est probablement contraire avec la réalité. Donc en attendant que l'État haïtien lui-même tout, il y a une idée que l'État haïtien pas doué et intervenu et lui-même pour expliquer exactement. Donc l'État haïtien lui-même lui prenait un dialogue, lui demandait pour nous mettre de l'eau dans du vin, éviter et laisser frapper entre population de frontières et que Haïti voulait que quoi que qu'il soit capable de se dans le dialogue. Donc son dossier qui parle qui peut aller très certainement d'elle. Pendant ce temps, République dominicaine, ça y est, on sort de la charge sociale. Il y a des amis qui habitaient dans la zone Punta Cana et que je parle avec eux, ils disent effectivement c'est oui. Et syndicat chauffeur dominicain et ont voté pour d'accord avec le président dominicain pour pas transporter Haïtiens dans l'autobus, de transport public, que légal que légal que pas légal. Donc il n'y a d'accord pour pas transport. Donc nous ne connaissons pas. Sur le Sénat, nous avons pour nous qui tout ça fait. Mais il y a des tensions, on soit des tensions quand même, qui a augmenté. Ça demande de nous dire à un ministre dominicain qui lui-même dit que dans la déclaration que fait, il dit tout notre pouvoir, la crise de santé, il dit que. Qui n'a pas engagement pour lui et soutenir les commerçants qui sont frontières, c'est-à-dire qu'il y a passé tout produit pays sabio, non mais il peut distribuer par l'école, par exemple, par les populations, mais c'est pas gratuit, il y a pas cher. Donc nous ne connaissons pas connaît, parce qu'on parle d'impact économique, décision l'appliquer sur le commerce dominicain, parce que Haïti était un partenaire, plus gros partenaire commercial que Haïti, que Dominicain a gagné dans son nom. Donc il parlait de déficit, ça, de problèmes, il parlait de soutien économique, et que pour le pays, ça, tant pour ceux, tant pour fruits, etc. Et que ça, il s'est caché dans la main. Donc ils ont manqué à gagner pour eux, mais Dominicain, le gouvernement dit qu'il a acheté et produit ça dans la main. Mais entre-temps, il a cherché pour être capable de faciliter que le produit soit écoulé sur le marché dominicain plutôt, parce que le produit n'est pas capable de venir sur le marché haïtien. Donc, sur des qui sont sensibles, sur ceux qui sont très certainement pour aller devant la société, qui pourraient faire partie du discours que deux leaders de pays pourraient aller prononcer devant l'Assemblée générale des Nations Unies, en avoir que la 78e Assemblée générale des Nations Unies a démarré officiellement mardi. Et mardi, le dia 18, mardi 19 et septembre, et le président dominicain Luis Abinader qui prend la parole mercredi, et alors que le premier ministre haïtien qui passe par un président en Haïti, le premier ministre haïtien qui a agi en tant que chef gouvernement et chef de l'État, et bien lui-même, le premier ministre à New York depuis hier soir, depuis dimanche soir, il est allé dans New York et il a pris la parole le 22
États-Unis vendredi qui a fini là. Donc entre-temps, le premier ministre a pour lui considérer un compte bilatéral côté à côté avec plusieurs dirigeants, des chefs d'État, avec notre pays pour discuter, etc. Puis entre-temps, il y a une autorité américaine qui, pour la première fois, a dit et parler de force multinationale là qui vient pour la Haïti. Parce que en principe, le Conseil de sécurité a été prononcé sur tout ça vendredi passé, vendredi 15 ans, mais ça n'a pas fait. J'étais seulement entendu et recommandations qui étaient certainement un comité de Mitsubishi pour étudier le monde qui a supporté les gangs armés en Haïti. Mais on a parlé de ça et responsable Brian Nichols, qui est responsable du comité en fait, hémisphère occidental là. Dans le département d'État, il a prononcé sur ça, avec plus de détails sur ça pour vous. Et dans le journal Radio sur Télévision, après-midi, nous avons une équipe qui est déjà à New York, c'est une équipe qui est là, dans Valley de Saint-Louis. En fait, tout le cas a déplacé à New York. Je quitte moi seulement avec Namé Rodriguez. En tout cas, il y a Valley de Saint-Louis, Jacques Belizère, et Gentil Augustin, et puis nous avons. Et Fred là, et puis nous avons Gary qui est l'autre bois. Donc, imaginez, nous avons une équipe solide qui a tout ce qui a passé dans l'occasion et 78e Assemblée générale des Nations Unies. Et certainement, des manifestations que nous avons dans les Nations Unies, des manifestations. Nous avons pas des manifestations en Haïti et sous la présidence du Premier ministre. Mais des manifestations quand même, donc je dis Augustin pour qu'il ne fasse pas ça. Et puis, il y a Jacques Libélisé avec Valé Saint-Louis, qui a parlé de l'autre aspect de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a Fouet qui a parlé de un petit peu de l'histoire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Qui en sait ce qu'on fait, qui en sait fait, qui en sait exactement. Qui ça, ça veut dire, parce que c'est le seul moment que tout chef d'État, chef gouvernement, capable de parler à l'autre. Là. C'est le seul côté que tout le monde réunit pour parler à l'autre. En parlant de ça, on dit que ce n'est pas toutes les délégations qui sont présentes. Et pas tout le monde, le Conseil de sécurité des Nations Unies, probablement il y a deux gouvernements qui ont confirmé que va là. C'est la Chine qui va présent lui-même en la présence du Premier ministre chinois, alors du président chinois Xi Jinping qui va présent. Il y a tout le président français Emmanuel Macron qui est non pas présent. Donc déjà, c'est le président Biden à plat parce qu'il est dans le pays haut. Le président Biden à plat. Donc déjà, il n'y a pas même capable que la Grande-Bretagne n'est pas capable pas là. On a parlé premier ministre de Grande-Bretagne là. Donc c'est. Mais tout le monde a commencé à arriver déjà à le premier ministre là. Et très certainement, le président Augustin Abinader là, très certainement dans le discours, ni le premier ministre Ariel Henry, ni le président Augustin Abinader a prononcé de l'Assemblée générale là, mercredi et vendredi. Dossier foncier, dossier canalisation foncière a vu sous pas passé. Et le président Augustin Abinader a insisté sur son dossier qui est. Il prend à main et il voulait insister sur ça et nous avons dit au président sur la frontière là, le ministère de l'Union sur frontière, bah, en plus de sauter pour ne pas avoir un dérapage. Pour ne pas avoir un dérapage parce que militairement, ce va être très difficile pour et très difficile si Dominique a décidé d'aller ces barrières là. Et à ce que ça fait, donc il ne faut pas que personne ne passe. Voilà, c'est comme ça le dossier aille. Donc, moi, pratiquement, on a fini avec le dossier de République dominicaine en cours. Dans la première partie du journal, je dis à la télévision, on a pris Jacques Lévis avec Valérie Saint-Louis et Fred, et puis Gentil, et tout le monde, et puis Garito, Gary Adidor, et puis tout le monde, ça y est. Et bien, nous-mêmes, nous avons porté tout ce qui a passé dans New York pour. Et puis, dans la deuxième partie, on a fini avec le dossier de République dominicaine. Et réaction qui vient tout sous lit, que ce soit c'est en pays d'Haïti, que ce soit c'est même en République dominicaine, ça n'a pas été qui en a pris une pour tout. Et il était certainement même après une parole un petit peu de échange prisonnier qui vient de Saint-Michel Dou, qui vient pour porter l'autre nouvelle pour nous sur l'actualité particulièrement qui concerne les États-Unis. Voilà, c'est ça nous vient pour eux. Et puis si nous parlons de. Nous pas qu'à moi. Et pratiquement ça, et puis nous avons parlé du sport. Il y a une section féminine qui a la conquête de place dans la première édition. Donc, on
arrivé au féminin en 2024, la sélection trouvé Yonit Shaw en 2015 côté à convoquer avec la sélection pour Saïka. Gabi m'a suggéré, puisque il y a une sélection pour Haïti, match entre Haïti avec le Costa Rica, pas d'aller de l'Union en 2015. Donc ça, c'est ton caractère de intervenir, les mêmes pour te déplacer Machato, faire la jouer dans. Il y a des gens qui se souhaitent que le match a été joué dans Miami plutôt, côté que la sélection haïtienne joue un bel accueil. Donc, nous va connaître. Et même match jusqu'à présent, il prévoit pour jouer un groupe de week-end dans la semaine là. Donc, Haïti a beaucoup de choses. La sélection a commencé depuis samedi, la sélection a commencé à arriver. Et entre l'équipe technique, elle a commencé à arriver tout. Mais hier, il y a un nouveau entraîneur qui est monté avec un groupe de week-end pour les matchs qui ont été déroulés. Et c'est un match que nous avons suivi parce que c'est pour Haïti sur le programme là. Et Haïti semble être maintenant en condition peut-être de sécurité, étant donné qu'Haïti est convoqué avec le Saïka. Deux occasions, il y en a pas que une montée en groupe de week-end et l'autre match a joué la Caracou Saïka. Ensuite, Haïti est pour le coup avec Sekit Senevis, une a pu en groupe de week-end, l'autre a vu une au Saïka, l'autre a vu la Caracou Sekit Senevis. Et Haïti apparemment dans bonne position pour ta. Ou est-ce qu'il a fait un ticket pour la première édition Coupe de CONCACAF? C'est comme ça que ça a eu, je dis, ah oui, mais nous avons vraiment un point qui domine vraiment à quel diable. C'est dossier, et puis Dominique Nandu qui en face, qui ont une forte présence militaire dans son côté, il vient avec Chablin et il vient avec une grosse présence militaire, surtout dans l'homme d'Arbon, mais en tout cas, le président haïtien, et en fait, fermiers haïtiens qui ont même incité et commencé sur ce canal-là, ils continuent d'y adhérenter, ils vont camper eux-mêmes, ils vont continuer, même si le gouvernement haïtien travaille, mais ils disent actuellement on sort d'assistance quelques ingénieurs haïtiens qui sont capables pour assurer que le canal-là pas bien fait et techniquement bien pour être capable de manger une loi pour arroser le jardin dans plein Maribaroua et puis gagner tout. Neuf haïtiens, alors des officiels parmi eux, des sénateurs, anciens ministres, qui ont même en basse région et vu du week-end sanctionné comme monde qui a pris le perturbateur, qui a chauffé cette population pour bâtir canal. Le week-end a dit que on ne savait pas qu'on a mis des points de pied en République dominicaine. Ça, en termes de sanctions que l'autorité dominicaine a pris, Haïtien sous affaire construction canal ça. Mais nous pas sous place, mais nous gagnons, nous sous place. Nous avons suivi le dossier de près pour vous, mais autorité américaine tout. Et parler de affaire construction canal ça tout. Et il y a des gens qui disent, par exemple, enfin, ce qu'on parle là, dit, nous avons mis de l'antivin, éviter des ordres, éviter des dérapages, etc. Non, de ceci. Et alors, il y a un journal à présenter. Je dis à Jacqueline à New York, Jacqueline est censée présenter mon premier parti. Jacqueline à Valérie, on peut se présenter mon premier parti journal là, à partir de New York. Et puis moi-même, on va présenter une deuxième partie journal là. C'était certainement une question bien pour avec l'île dominicaine et le dossier frontalier là. Et puis avec l'autre, pour le cap de miniaturité dans le pays d'Haïti, on a pas pour dimanche 17 septembre, il y a une manifestation. C'est le leader EDA, ancien ministre des Affaires étrangères, ou ancien premier ministre provisoire, Claude Joseph, qui a organisé l'île. Et bien là, dans l'île, il a prononcé son discours. Entre autres, côté, il a demandé au premier ministre Aélanré pour le bâtir. Mais il dit ça, une manifestation que a organisée dimanche, c'était Torquette la Chaladère, pendant que le guerre lançait une autre manifestation au point de vue national. Justement avec objectif pour déboulonner le Premier ministre Ariel Henry, qui a accusé qu'il va faire rien dans le pays depuis deux ans, depuis ça fait deux ans ce pouvoir, pour l'insécurité, etc. Ça va empêcher les frontières, les amis, qui a kidnappé mon etc. Mais je continue. Et il n'a pas changé. Puis je dépose, il continue à fonctionner toujours, continue à kidnapper moi. Même si je dis attention, sans se focus sur sa capacité sur frontière de pays. Et le président Abinader explique ça pour lui dire que les gars, tout c'est un autre facteur que le Dominicain vient dans cette vie qui fait qu'il y a plein de décisions pour faire tout ça et pour monter. Donc, monsieur, il y a une drone pour capturer les frontières, un hélicoptère capturer les frontières.
si par exemple nous avons pas sans cacher, c'est un même officiellement et il fermait que les gens nous savaient la confirmer que ça peut être fermé tout autant que le gaz pas en reconstruction et tout autant que ça nécessaire pour faut pas dire que le président de 2021, vous savez Noël, non, pas électoral, mais il va organiser l'élection en année 2024. Il y a peu de candidats qui vont prononcer son dossier ça, mais quand même, il y a une branche à l'écoute extra-nationaliste, mais ultra-nationaliste qui, M. Sayo, même, il y a un petit gens aller dans ce sens là tout pousser. Mais il y a la chasse à l'homme qui a fait un bout de week-end contre. Haïtien, tout le gars haïtien qui court, qui quitter Dominicani. Et rapide, le panneau de Burkina, il a pris sur frontière et il peut être rentré. Donc, c'est là nous y avec M. Sila. Moi, c'est Jovel Philippe Capsalé, nous avons passé une bonne semaine en compagnie de la Patanée. Bonsoir tout le monde, on en parle encore et demain. Maintenant, pour être heureux, après-midi, à M. Nagajus, l'émission de Sauveur Créole. Avec un voyage spécial, nous sommes à New York, à l'île Saint-Louis, Jacques Mélisère, Nathieu Augustin, Gary Altidor. Et nous-mêmes, après un bazar avec Washington, avec moi-même, Aïssinga, nous sommes à Washington. Bye bye tout le monde.